Bon, les trois pouvoirs, c'est mignon, mais il y a d'autres petits pouvoirs qui influencent ces trois gros pouvoirs-là. À votre avis, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans ceux qui influencent? Le quatrième pouvoir, par exemple, c'est quoi? La presse. Ça. La presse, par extension, les médias. Oui. Les véganes. Non, ça, c'est le 225e pouvoir, du coup. Les buveurs d'eau. Les buveurs d'eau. Encore. Donc, les médias, vous en avez d'autres? Les reptiliens. Les lobbies. Ouais, mais les lobbies, justement, tout ça, ça va être des lobbies, en fait. Ah. Les financiers. Les financiers, ça, c'est pas mal. La finance. La finance. Bon, j'écris mal, hein, mais on s'en souviendra. L'agroalimentaire. L'agroalimentaire. Alors, tout ça, en fait, on va le regrouper dans une sphère qui va s'appeler la sphère économique, en fait. Hein. Toutes les composantes de la sphère économique, mais dedans, il y a l'agroalimentaire, le nucléaire, l'aéronautique, enfin, tout ce qu'on veut, hein, toute la sphère économique va chercher à l'influencer. Bruxelles. Alors, Bruxelles et tout ça, on rentre dans la politique internationale, ce sera l'objet d'une autre conf, quand je serai devenu attaché parlementaire au Parlement européen, mais c'est pas encore le cas. On s'occupera de l'international plus tard, mais restons en France pour l'instant, donc on a bien ces lobbies-là qui vont influencer le pouvoir, ou qui vont chercher à influencer le pouvoir, hein. Ils vont pas toujours réussir. Alors, par exemple, qu'est-ce qui se passe avec les lobbies? Bon, on reçoit du courrier, on reçoit des invitations à aller dîner, déjeuner, on reçoit des amendements, déjà tout rédigé, disant voilà ce qu'on veut, déposez ça s'il vous plaît. Alors dans le courrier, juste pour vous donner une idée de ce qu'on reçoit, donc ça arrive au courrier dans une grosse enveloppe, on en reçoit, sous ce format-là, on en reçoit des dizaines par semaine. Hein. Donc si ça nous intéresse, bon, ben, on le pose sur le bureau du boss. Si ça ne nous intéresse pas, ou que ça n'intéresse pas le boss, on le balance à la poubelle. Alors là, c'est les centres commerciaux acteurs du vivre ensemble. Je pense que là, ça vous fait kiffer à mort. Et vous n'avez pas fini de vous amuser, puisque, bon, par acquis de conscience, je l'ai ouvert. J'aurais pu le jeter directement, hein. Par acquis de conscience, je l'ai ouvert. Et alors là, en tant qu'écolo, bon, déjà, j'apprécie pas qu'on m'envoie du lobbying... En général, quoi, surtout quand c'est pour me servir un discours de 3 minutes complètement absurde sur le fait que les centres commerciaux sont un vecteur de culture et de vivre ensemble, et que c'est fantastique, tout le monde se retrouve là, et que sans eux, on ne pourrait pas faire nos courses. Enfin, je vous fais le résumé des 3 minutes. Mais pour un écologiste, ça, c'est un scandale absolu. C'est marqué nulle part qu'on n'a pas le droit de le jeter à la poubelle. Alors que c'est une obligation, et vous allez comprendre pourquoi. Voilà ce qu'on a derrière. Donc on a un écran, on a une carte électronique et on a une batterie. Et tout ça n'est absolument pas aux normes françaises. D'ailleurs, pour protéger le truc, ils ont mis une pub de lessive chinoise. Hein. Voilà, donc c'est aux normes chinoises, a priori. Hein. Ça vaut, au bas mot, 10 ou 15 euros. Ils ont envoyé ça à tous les parlementaires, donc à tous les députés, tous les sénateurs, donc ça fait 1000 exemplaires. Donc vous imaginez que rien que le produit fini coûte dans les 15 000 euros, sans la conception graphique, sans le film, sans les envois postaux, etc. Donc on peut dire qu'au bas mot, la blague a coûté 30 000 balles à la Fédération des centres commerciaux. Et en plus de ça, c'est une catastrophe écologique, puisque 80% des gens vont le jeter directement à la poubelle. Sans passer par la case recyclage, qui d'ailleurs n'est pas mentionnée nulle part. Voilà, donc vous... Comprenez que j'apprécie pas beaucoup ce lobby-là, et il y en a d'autres qui me gênent encore plus. Par exemple, il y a un lobby, mon boss, sa spécialité, c'est l'agriculture. Il y a un lobby, le plus gros lobby en agriculture, peut-être vous le connaissez. La FNSE, voilà. Le syndicat agricole majoritaire, 51% d'adhérents des exploitants agricoles, donc la voix dominante absolue en agriculture en France. Donc la FNSEA, c'est quand même un système assez intéressant. Alors, leur ancien patron est mort il y a 2 semaines, hein, donc je cracherai pas sur un mort, mais enfin, je vais quand même en dire 2-3 choses. C'est pas moi qui l'ai poussé dans la tombe, enfin, quoi qu'on me l'ait reproché. Mais... je vous jure, je vais vous raconter. Donc la FNSEA, c'est tout un système, c'est-à-dire que voilà, quand vous êtes attaché parlementaire, parmi les centaines de mails que vous recevez par exemple l'agenda du président, et l'agenda du premier ministre, et l'agenda du ministre de l'agriculture, puisqu'on bossait sur l'agriculture. Donc c'est, voilà.
Et je regardais d'un œil distrait régulièrement. Et puis, une fois par mois, Xavier Belin était reçu à l'Élysée avec le ministre de l'Agriculture et le Premier ministre. Une fois par mois. Le président du MEDEF est moins reçu que ça. Bon, il a été beaucoup trop reçu sous la présidence Hollande, mais il est quand même moins reçu que ça, Pierre Gattaz. Donc là, déjà, ça vous met la puce à l'oreille, vous dites, il y a quand même un petit truc qui cloche. Et puis, la FNSEA, deux ou trois fois par an, donc notamment avant de voter le budget, et puis au milieu de l'année, quand il y a une proposition de loi ou un projet de loi sur l'agriculture, ils organisent au Sénat des petits déjeuners où ils invitent tous les parlementaires. Donc ça coûte environ 18 euros le petit déjeuner, pour la blague, et il y a une cinquantaine de parlementaires qui viennent vraiment s'informer. Et donc c'est vraiment à l'intérieur du Sénat. Et puis là, forcément, il y a le président de la FNSEA qui explique ce qu'il pense du budget, qui fait circuler tout un dossier de presse et une série d'amendements pour que les sénateurs déposent exactement ce que lui, il veut. Enfin, ce que son syndicat veut. Enfin bon, ça fait rarement du bien aux petits agriculteurs, mais c'est le business, business is business. Le système FNSEA, le pire que j'en ai vu... Bon, nous, on a critiqué les petits déjeuners, on a dit, nous, on veut pas que vous nous invitiez à petit déjeuner, on veut vous auditionner, comme tout le monde, on prend tous les syndicats, on vous auditionne formellement, voilà, on vous convoque en audition, et puis on écoute tous les syndicats, quoi. Il y en a quand même d'autres, il y a la Confédération Paysanne, le MEDEF, la Coordination Rurale. Alors, si vous connaissez pas, la Coordination Rurale, c'est globalement l'extrême droite, le MEDEF, c'est l'extrême gauche, la Coordination Rurale, c'est à peu près le même découpage, finalement, que la France actuelle vis-à-vis de l'élection présidentielle. L'extrême droite est à 25%, l'extrême gauche est à 4%. Bon, c'est un peu dramatique. Et puis, il y a la FNSEA qui prend tout l'espace au milieu. Alors, il y a la Confédération paysanne qui est en gros les écolos. Eux, ils pèsent 20%. C'est un miracle. Ça marche que dans l'agriculture. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas dans les autres domaines. Et voilà, la FNSEA prend toute la place et dicte sa conduite au Parlement. Et le pire que j'ai vu, donc forcément, c'était le salon de l'agriculture il y a deux semaines, même il y a une semaine, c'était la semaine dernière. Et je me baladais avec mon patron sur le salon, et bon, on passe devant le stand de la FNSEA, alors évidemment on s'arrête pas, enfin on n'a pas fait un sit-in devant non plus. On passe devant, et là on se fait aborder par deux personnes de la FNSEA, et là ils commencent à nous dire, alors je vous fais pas le discours en entier, ça a duré une demi-heure, mais... ils ont attaqué en disant, votre comportement est scandaleux, c'est du harcèlement ce que vous avez fait vis-à-vis de Xavier Belin, ça lui a fait beaucoup de mal, c'est en partie à cause de vous s'il allait si mal. Alors, c'était extrêmement violent, vous verriez, mon gosse c'est un mec hyper gentil, il essayait de dire mais attendez non, il ne faut pas dire ça, oui on a critiqué les petits déjeuners mais nous c'est pas ce qu'on demandait, c'était de vous donner. Et puis alors, là-dessus est arrivé un ancien président de fédération départementale qui lui allait beaucoup plus loin. Alors lui, il nous a carrément traité de nazis, quoi. Alors, ça m'a fait mal, c'est la première fois que ça m'arrivait. Et puis alors mon patron, encore pire, 30 ans de vie politique, c'est la première fois que ça lui arrivait, quoi. Il est allé assez loin, il est allé jusqu'à dire « Si on vous écoute, un jour on finira par porter une petite étoile verte. » Alors bon, il y a un moment... Voilà, vous comprenez à quel point, quand on laisse dériver un lobby, comme, ou un syndicat majoritaire comme lui, sans jamais le contredire, la moindre contradiction, nous on critiquait juste les petits déjeuners. Bon, on critiquait aussi la politique de la FNSEA, évidemment, l'industrialisation à outrance, le soutien à l'agroalimentaire au détriment des producteurs, enfin, je ne vous refais pas tout l'historique, mais voilà, on en arrive à cette dérive-là. À ce qu'il se croit tellement surpuissant qu'il est capable de tout dire, y compris à un parlementaire.